Le grand-père naturel. La grand-mère répond, tu pourrais dire je suis belle. Ensuite, au moment de partir, sa sœur Stéphanie Mèche fait une crise en disant que la maîtresse va l'engueuler. Notre père Bernard Mèche répond que la voiture est cassée, la BM, les freins sont cassés. Bernard Mèche répond, tu préfères retourner à Soubéran ou aller à Poitlaval? Et Fred répond, sans aucun poète-poète, je veux pas aller à Poitlaval. Sa mère, Christine Mèche, répond, donne la main à grand-mère. La grand-mère a un ballon sur elle attaché. Fred répond, non, je veux pas monter au ciel. À Poitlaval, la bagarre. Rabbi, répond, elle est partie, ta copine. Et Fred répond, j'ai pas de copine. Frédéric fait une crise pour aller chez sa mère et son père. Les éducateurs répondant, les rapports sexuels au foyer sont interdits. Frédéric était amoureux d'une fille. Il la prenait pour Zéna la guerrière. Un jour au foyer, Antoine avait violé une fille. Les parents de Frédéric étaient tous au courant. Son père pose la question à Frédéric, est-ce que toi on t'a déjà violé? Je réponds, un barbu. Frédéric alla à Poitlaval, pas de Dieu ni d'ange. Frédéric se masturba dans la salle de bain. Franck la surprit car la salle de bain n'était pas fermée et c'est une salle de bain pour tous. Au moment du repas, Frédéric a des hallucinations auditoires et pendant le repas, tout le monde était à table, sauf Stéphanie Zéna, l'éducatrice Brigitte Bardot. Elle est amoureuse de Frédéric, elle va pas bien dans sa tête. Frédéric, c'est pas un mec qu'on peut aimer. Frédéric et le foyer à la dehors. Frédéric répond, tu étais pendant le repas, Julie Lescaut. Il paraît que Stéphanie Zéna est amoureuse de moi. La fille répond, j'étais pas là. Et Stéphanie Zéna répond, je ne suis pas amoureuse de toi. L'éducatrice, elle t'aime pas. Tu vas arrêter de l'emmerder. Nettoie ta bouche, tu as de la merde. Frédéric alla dans la chambre. Et Cupidon arrive et Frédéric lui donne 50 francs, je te donne les sous si tu me fais l'amour. Cupidon répond, d'accord. Frédéric répond, est-ce que tu m'aimes? Cupidon répond, non. Frédéric répond, il faut m'aimer. Ensuite Frédéric répond, ah du dégoût, ça va pas la tête. L'éducateur les a surpris. Le lundi, quand il retourne au foyer, Frédéric est choqué, il n'aime pas les mecs. Ensuite, Frédéric regarde les diapositives auxquelles il montrant un homme tout en blanc qui se bagarre avec un homme en rayures noires et de seul coup, ils sont tous les deux avec des rayures noires et blancs. Ils sont pareils, ensuite il en a un habillé avec des triangles noirs, ils vont tous les deux lui taper dessus, et surtout de ce coup, ils se retrouvant tous les trois pareils, nous sommes tous pareils. Ensuite le professeur fait lire un livre de maths, et dans le livre il y a maths et une fille, ils sont dans la cour. Ils vont pour aller au cinéma. La fille était derrière Maz. La fille, j'étais devant. Tu m'as doublé. Et Maz répond, t'es qu'une fille, qu'une sale fille. Et le professeur apprend ce jour ce que c'est le racisme. Ce n'est pas accepter la différence. Ensuite, le professeur explique pourquoi il en a qui sont noirs et d'autres blancs. C'est une question, il y en a
qui ont vécu au froid et d'autres qui ont vécu au chaud. C'est pour ça que ça peut être une question d'ancêtre et parfois pulmonaire. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour fusionner avec Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ biologique. Je prie Dieu Jésus-Christ pour que les fruits de mes arbres soient de meilleure cuisine. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie. Je gagne toujours. Chaque jour, je suis de plus en plus riche. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir toujours raison, j'ai toujours raison. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir le pouvoir magique de la sorcellerie. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir la clairvoyance. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être un vrai prophète. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être sans péché. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être bien orienté. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir la guidance. Je prie Dieu Jésus-Christ pour bloquer la mort et la maladie. Mourir plus pour ressusciter plus, immortel vers l'au-delà et l'infini, assurant vie ne jamais mourir.